ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Éliminez toutes les cibles dans la zone. Quel fils. Petite merde. Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Ah le bâtard. Hey, salut tout le monde, c'est Oki. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'EBR-14, fusil semi-automatique qui est ok parce que en fait sur des moyennes portées en 2 balles headshot il peut tuer votre ennemi ou le knockdown et en général il faudra pas mettre plus de 5 balles pour tuer un ennemi. Après, comme c'est du semi-automatique et que du coup c'est vraiment coup par coup sur la gâchette, en termes de stabilité de l'arme et de précision, ça en prend un coup, donc forcément sur la longue portée je trouve que c'est beaucoup moins efficace, parce que théoriquement oui, si vous mettez 2 balles headshot il est mort, mais aller mettre 2 balles headshot c'est quand même compliqué je trouve. Mais sur la moyenne portée c'est une très bonne arme quand même qui est assez efficace. Donc moi je l'aime bien, après voilà, c'est pas mon arme préférée, c'est pas une arme méta clairement. Mais voilà, ça c'est l'arme que j'ai, c'est la classe que j'ai utilisée durant le gameplay. Donc déjà chargeur 20 cartouches, hein, c'est le plus gros chargeur, il faut le mettre parce que c'est du coup par coup, sur de la plus longue portée il y a une certaine imprécision, donc vous allez être quand même obligé d'être confortable avec votre nombre de balles. Hein. Ensuite pour l'accessoire canon j'ai mis une poignée phase 3 qui pour moi comme dans beaucoup de gameplay c'est ce qui permet de le meilleur recul. Après est-ce qu'il vaut mieux pas mettre une poignée type mercenaire ou les autres que je fais défiler à l'écran, ça se discute.
Pour la moyenne portée, moi ça me suffisait la phase 3. Pour une plus longue portée, peut-être qu'il faudra pénaliser plus le temps de visée, la mobilité, mais favoriser le recul avec des poignées comme ça. En tout cas, dans le gameplay, moi j'ai ajusté d'équipement de cette façon, donc stabilisation du recul et contrôle de l'utilisation du viseur au maximum. Forcément, canon et silencieux pour augmenter la vitesse des balles, la portée des dégâts. Donc les silencieux, j'ai mis le Polar Fire S. Et je l'ai tuné de cette manière, visée accélérée au maximum et vitesse des balles à fond. Pour ce qui est du canon, qui est donc le Boremaster 22 pouces, il permet donc un contrôle du recul et une vitesse des balles augmentée, ce que ne permettent aucun autre des canons, à part celui-là, que je n'ai pas. Et donc voilà, donc c'est pour ça que contrôle du recul et vitesse des balles, il n'y a que celui-là que j'avais disponible, et je l'ai ajusté de cette manière-là, porter des dégâts et stabilité du recul au maximum. Et enfin, en dernier, le viseur. Comme j'utilisais sur plutôt en arme primaire pour les combats éloignés ou à moyenne portée, j'ai forcément mis une lunette Velka x4, qui est pour moi la lunette méta pour ce genre de combat. Ajusté de cette manière, la position de l'œil je l'ai pas changé et j'ai mis visée accélérée au maximum. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay. Ciao, ciao tout le monde!